L'eau potable au rythme d'un jour sur quatre hantera pour quelque temps encore notre vie quotidienne. D'abord parce que l'eau de pluie arrive boueuse dans les captages. Elle est stockée plus longtemps avant d'être traitée puis seulement injectée dans le circuit d'alimentation. Nous, on ressent les pluies environ un jour après. Hein. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'il pleut un jour, le jour immédiatement, bon, ça va s'améliorer. Hein. Mais pour que les choses puissent s'améliorer de façon sensible, on aurait en effet besoin d'une pluie plus régulière, même en quantité moins importante, mais de façon quotidienne. Autre fait, la méconnaissance de cette quantité venue du ciel. À cause de l'érosion, une grande partie va glisser pour se perdre dans le lagon. Seule une partie ira renflouer nos cours d'eau, mais pour quelle quantité ? Sur la Grande Terre, il faut reconnaître que nous avons une dizaine de postes pluviométriques. Ce sont des gens bénévoles qui ont beaucoup de mérite par ailleurs et qui font des relevés régulièrement, mais seulement nous n'avons pas les moyens actuellement d'avoir les renseignements ponctuels. C'est-à-dire qu'il faut attendre plusieurs jours pour qu'on ait les renseignements des précipitations relevées sur la Grande Terre. Tant que le projet de financement du Fonds européen de développement prévu pour régler le problème de l'eau dans l'île n'est pas exécuté, Mayotte ne devra son salut qu'à la saison des pluies.